Parlons à nouveau sécurité, en tout cas on peut dire que la chance lui a souri. Le chef du territoire de Walindubindi échappe désormais au contrôle du colonel Kobra Matata depuis ce matin. Olivier Pika, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été enlevé par les miliciens de Kobra sous prétexte qu'il collaborait avec les FRDC. Après s'être évadé, ce dernier décide de s'installer momentanément à 35 km de son territoire pour raison de sécurité. Dans l'entretemps, sur le terrain, les FRDC sont restés déterminés à rétablir l'autorité de l'État dans cette contrée. Suivez. Le chef de la chefferie de Walindubindi vient d'échapper aux miliciens de Kobra Matata, des miliciens qui voulaient les tuer pour avoir coopéré avec les FRDC. Ce matin, Olivier Pekikanya, que nous avons joué au téléphone, indique qu'il va s'établir momentanément à Lagabo, plus ou moins 35 km au nord de Bunia. Toujours en chefferie de Walindubindi dans la partie sous contrôle des FRDC. Pendant, cette autorité coutumière dit avoir trouvé ses places près de 25 000 déplacés. La plupart des femmes et des enfants. Ils restent avec eux pour compatir avec les déplacés. Ils demandent une assistance rapide en nourriture, médicaments et abris d'urgence. Le déquet, c'est depuis des semaines que les FRDC opèrent dans la chefferie de Walindubindi. Ils veulent mettre un terme au phénomène Kobra Matata et rétablir ainsi l'autorité de l'État dans cette partie de la République. Bounia, Justin Joël, Biwan.